Salut Éline, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à une interview. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Gapfleu? Bah oui, je m'appelle Éline, j'ai 14 ans, j'ai une sœur qui s'appelle Zoé et qui a 16 ans, je fais de l'équitation. Tu habites où? Dans quelle ville? Dans quel type de logement? J'ai une maison en Boise et j'ai jamais déménagé, j'ai toujours habité en Boise et donc je suis née en Boise. Donc ça fait 14 ans que je vis en Boise et voilà, j'aime bien ma ville. Qu'est-ce que tu aimes bien dans ta ville? Bah j'aime bien parce que c'est pas trop grand et du coup on se perd pas trop et puis c'est pas comme Paris par exemple où il y a vachement de pollution tout ça et là c'est bien parce que c'est une petite ville et c'est assez vert quand même et voilà, donc c'est bien. Et dans la vie, qu'est-ce que tu fais? On peut se douter comme tu as 14 ans mais dis-le nous. Bah je suis au collège André Malraux de Amboise. Et là, je suis en troisième et je vais passer au lycée. Donc, je pense que je vais aller à Léonard de Vinci, le lycée de Amboise. À la fin de l'année, comme tu es en troisième, il y a quand même un événement spécial. Ouais, donc j'ai passé le brevet. Là, j'ai passé le brevet blanc il y a une semaine. Ça s'est pas trop mal passé, donc je pense que ça va aller. Donc, c'est assez rassurant déjà. Ouais, pas trop d'inquiétude. Bonne continuation de l'année de troisième, merci. Merci.